À tous les amateurs d'extraordinaire et d'imprévu. À toutes celles et à tous ceux qui lisent le journal, surtout pour y trouver des histoires. Pierre Véry et Maurice Renaud présentent Faits divers, une émission réalisée par Pierre Billard. L'histoire que vous allez pouvoir entendre ce soir et qui s'intitule « L'honorable Monsieur Plante-Rose » est de Jean Marcillac. Point n'est besoin de présenter Jean Marcillac à nos auditeurs. Il me suffira de leur rappeler que la deuxième émission de Faits divers, intitulée « Colin Maillard » et qui racontait l'aventure d'abord comique puis dramatique d'un faux aveugle, était due à sa féconde imagination. Je résume à présent le fait divers qui a fourni à Jean Marcillac le point de départ de la nouvelle histoire que nous allons vous présenter. Ce fait divers nous avait été adressé par Mademoiselle Yvonne Poirot à Viroflay, qui recevra la brochure dédicacée par l'auteur et par les principaux interprètes. Ce fait divers apparut dans France soir du 7 octobre 1953, sous la plume de M. Georges Guérat. Le voici. Un poète et parlementaire asiatique, de passage à Paris, a été dépouillé d'une valise contenant 20 feuilles de papier parfumé et pailletées d'or que les lettrés orientaux aiment à utiliser pour y écrire des poésies. Ces précieuses feuilles de papier ont été retrouvées dans les chaussures d'un clochard qui s'en était fait des chaussettes russes. Voilà, n'est-il pas vrai, qui promet une pittoresque histoire qui sent d'une lieue ses bords de Seine. Car qui dit clochard dit quai de la Seine, bien entendu. La Seine chère aux pêcheurs, aux amoureux, aux bouquinistes et aux bouquineurs. La Seine chère aux poètes depuis François Villon jusqu'à Guillaume Apollinaire qui l'a chanté en ces termes. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Le fleuve est pareil à ma peine. Il s'écoule et ne tarit pas. À quand donc finira la semaine? Pour en revenir à l'honorable Monsieur Plante-Rose, il faut convenir que Jean Marcillac a vraiment le goût des points de départ aussi savoureux que saugrenus et embarrassants pour l'imagination. Car enfin, en partant d'un clochard qui a eu l'idée de se fabriquer des chaussettes russes avec des feuilles de papier d'Orient, quel diable de récit peut-on bien construire, je vous le demande. Maintenant, vous allez me répondre, pourquoi est-ce que je vous le demande, puisque je le sais, alors que vous, vous ne le savez pas encore. Mettons donc, si vous le voulez bien, que je n'ai rien dit, et permettez-moi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de vous donner rendez-vous au bord de la Seine, sous un pont, avec l'honorable Monsieur Plante-Rose, qui s'apprête à partir pour une aventure à la fois cocasse et terrifiante. Autrefois, oui, être clochard, c'était une situation. Aujourd'hui, c'est la petite vie. Et demain, moi, je te le dis, on sera aussi minable que des rentiers 3%. Oh, hein, t'es pessimiste. Ah, tellement, mon vieux Plante-Rose, que je pense sérieusement à travailler. Travailler? Ah, Pilou, faut voir un docteur. Alors, tu pouves jamais, toi? Et l'argent, où que tu la trouves? Va au hall, n'importe où, tu peux plus donner un coup de main en amateur, t'as tout de suite les syndicats aux fesses. Oh, t'exagères, hein. Ils viennent nous retirer le pain jusque dans la bouche. Tiens, quand Chevalier est venu place Maubert pour tourner ma pomme, ils avaient besoin de clochards dans la figuration. Eh ben, ils ont pas voulu de nous. Ils ont pris des figurants syndiqués, monsieur. Et c'était habillé. Oh, fallait voir. Là, ça ressemblait à des clochards comme moi au chef du protocole.
Ils auraient pu au moins me prendre comme conseiller technique. Ouais, oui, mais t'as beau dire, moi je me défends encore. Tiens, d'abord, regarde, je suis bien logé. Ah, ça, une petite planque comme ça, sous le pont d'Austerlitz, ça court pas les rues. Et je l'ai eu sans un sou de reprise. Hein. Et attention, ton rat de cave, il coule. Eh, là, ouais, faut pas foutre le feu au château. Hein. Oh, tu me fais marrer avec ton château. La cage, elle nourrit pas l'oiseau. Ben, moi, je bouffe très bien, tu vois, tiens. J'aurais pas à me plaindre si j'avais pas si mal au peineur. Ah, ça, malheureusement, alors là, j'ai toujours eu la plante des pieds comme une demoiselle. Sensible, oh, sensible. Bah, c'est pas pour rien qu'on m'appelle plante rouge. Enfin, comment tu fais, toi, pour avoir du pèse? Moi, je fais le coup de l'honnêteté. Allez, allez, pour faire le coup de l'honnêteté, faut être un virtuose. Hmm? Moi, j'en ai connu qu'un qui le réussissait. Qui c'est? Pipermint, tu sais, le petit qui avait de l'asthme. Celui qui sifflait comme un pergolateur. Oui. Eh ben, lui, s'il réussissait le coup de l'honnêteté, c'est que dans sa jeunesse, il avait été prestidigitateur. Oh, fallait le voir faucher les portefeuilles et les rendre intacts pour toucher la récompense. Ben, il a fait fortune. Ah, oh, tu crois m'humilier avec ton Pipermint, il a jamais fait qu'imiter les autres. Tandis que moi, je suis un créateur. Oh, créateur de quoi? J'ai inventé le coup de l'honnêteté dans les gares. Dans les gares? Oui. Oh, mais tu voles une locomotive et tu la rapportes au directeur de la SNCF? Ah, oh, couillon. Ouais. Non, je vais à l'arrivée des trains chic quand il fait nuit. Je me mets sur le trottoir, là où que les gens veulent prendre un taxi. Alors, comme il n'y en a jamais assez, tout le monde se bouscule et s'engueule. Mais alors? Alors, voilà, j'ai une grande valise vide, comme si je descendais du train. Je repère un chariot où il y a des beaux bagages avec des cannes de golf, et je fausse au hasard une mallette. Parce qu'une mallette, c'est pas gros, tu comprends? Et alors, hop, je la glisse dans ma valise comme une lettre dans la boîte et le tour est joué. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Voilà. Quand c'est que tu la rends? Eh ben, quelques heures plus tard, quelquefois même le lendemain. Mais tu connais pas le propriétaire. Ah, t'as jamais remarqué, non, qu'au bagage des riches, il y a toujours un porte-étiquette pour mettre le nom et l'adresse? Ah. Eh ben, moi, je fausse que cela, je fais bien attention. Puis alors après, j'ai plus qu'à aller chez la personne et je touche ma récompense. Mais tu fais ça souvent? Eh, tous les soirs. Mais les flics, ils finissent pas par te repérer. Bon, voyons, mais je fais jamais la même gare deux jours de suite. Tiens, ce soir, je viens de travailler à la gare de Lyon. J'ai fait le Mistral de 20h13. C'est que ça que le Mistral? Un train de luxe qui vient de Nice, là. Alors là, dans ta grande valise, il y a une petite mallette? Oui, mon prince, oh. Oui, je viens de la faucher entre les jambes d'un gars en train de payer son porteur. Je t'ai accueilli comme un bras de muguet. Ouais. Montre! À qui qu'elle est? Oh ben, pas encore eu le temps de regarder. Alors ouvre! Ah, petit curieux. Oh là là, ce que j'ai mal au panard. Oh là là. Oh, dis, c'est une jolie petite mallette en peau de toutou. Oh, pourvu qu'elle soit pas fermée à clé. Ah, ça peut foutre, pas question de voler, alors. Oh, c'est bien, mais pour voir. Ah. Quelquefois, dis, il n'y a pas des petites chemises roses, des petits pantalons en dentelle. Ah, monsieur Pilou, vous vous égarez, allez. Non, il y a quelque chose qui m'intéresse, le nom et l'adresse. Approche le rat de cave qu'on voit clair. Oui, attends. Oh, ce que c'est mal écrit, bon. Monsieur Li Hang, quel drôle de nom. C'est un nom chinois. Ah, qu'est-ce que c'est? Alma Palace. Où c'est ça, l'Alma Palace? Ah, c'est la grande hôtel, là, qui est en bas de l'avenue Georges V, près de la place de l'Alma, tu sais bien? Eh ben, ton chinois, c'est sûrement un rulpin. Allez, ouvre-nous ça. Oh, ce que ça sent bon là-dedans. Allez, touche pas. Pyjama en soie. Des trucs de toilette en écaille. Oh, ben, okay. Des grandes feuilles de papier. Un pinceau avec une bouteille d'encre de Chine. Ah, tu vois, je te le disais. Oh, quoi, tous les gens qui emploient de l'encre de Chine, c'est pas forcément des Chinois, alors. Oh, regarde les feuilles de papier. C'est plein d'inscriptions comme il y en a sur les lanternes japonaises. Ouais, t'as raison, Pilou, c'est sûrement un Chinois. Oh, et regarde si c'est du beau papier, dis donc. Oh, on dirait du satin. C'est blanc et c'est doux. Oh. T'as vu? Les Chinois, ils écrivent toujours de haut en bas. Oui, c'est bien connu, ça, bien sûr. Et au recto.
Jamais au verso. Ah, jamais au verso. Ça, c'est toi qui le dis. Ben, ouais, je le vois. Ben oui, mais ce que t'as pas vu, c'est que ces feuilles de papier sont éclaboussées d'un tas de petites taches d'or, t'as vu? En or véritable? J'en sais rien. Oh. En tout cas, je trouve ça rudement joli, moi. Hein? Et dis donc, ce qui sentait si bon tout à l'heure, c'est le papier? Oh, c'est du papier parfumé, je te dis. C'est vrai. Oh, c'est vrai que ça embaume, dis donc. Oh, ça fait rêver aux mousses, mais... Ah, oui. Bon, ben, en attendant, moi, j'y retire mes croquenots. Ah, j'ai trop mal, ouais, un peu plus. Attends. Là. Oh, ce que ça fait du bien. Oh, là, là. Et dis donc, les papiers parfumés, là, tu pourrais t'en faire des chaussettes. Des chaussettes? Non, mais t'es pas louf. Oh, tant si c'est souple et moelleux, je suis sûr qu'avec ça, tu marcherais comme sur des œufs à l'année. Ouais, ouais, t'es bien, mais ça me repartient pas, moi. Oh, Dieu, faudrait tout de même pas attiger. Du papier, c'est jamais que du papier. Ah oui, mais enfin, quand même. Ouais, le seul papier que je respecte, c'est le billet de banque. Oui, moi aussi, mais enfin, ça m'embête. Enfin, monte un peu, quand même, là. Attends. Et puis, tu te rends compte, t'aurais les ripatons parfumés. Une fois n'est pas coutume. Attends, il y a combien de feuilles? Attends, 2, 4, 6, 7, 8. Bah, je pourrais bien en prendre 4. 2 pour chaque pied, puis laisser le reste, quoi. Hein? Il y va avec du feu. Attends, je vais t'arranger ça. Ouais, donne. Ouais. Tiens, allez, me chatouille. Là, là. Oh, comme ça. Donc, t'es une vraie mère poule. Ben, c'est pas bon. Oh. Hein? Alors. C'est pas doux. Oh là. Oh, et puis c'est chaud. Oh, on dirait du velours. Attends, que je vais remettre mes grolles pour voir. Attends, aide-moi. Tiens, passe-moi l'autre qui est là, à côté de. Là. Oh, non, mais est-ce qu'on est bien avec ça? Oh. Moi, j'aurais été toi, j'aurais mis les 8 feuilles. Pourquoi faire? Pour être encore mieux, perdu. Ah oui, ça, je dois dire que comme chaussette russe, il n'y a rien de tel que le papier chinois. Ben alors, qu'est-ce que t'attends pour les mettre, les 4 autres? Ah oui, mais qu'est-ce que je dirais, moi, si on me les réclame, là? Dans la valoche, quand tu les as trouvés, les papiers n'y étaient plus. Après tout, il avait qu'à la fermer à clé, sa papeterie. Allez, t'as raison, passe-moi le reste, allez, viens. Bah, tiens. Allez, ah là là. Oh tiens, il y a longtemps que mes panards, ils n'avaient pas été pareils, vous faites... Oh, dis donc, maintenant je peux écarter mes doigts de pied en bouquette violette. Faut prendre le plaisir quand on l'a sous la main. Eh ben tiens, maintenant je cavalerai au bout du monde. Tiens, pas la peine, je vais aller y rendre tout de suite sa valise, moi. À cette heure-ci? Il n'est pas plus de 9h30. Avec la bile qui doit se faire, il est sûrement pas encore couché le chintoy. Alors, à demain! On arrosera ça, hein? D'accord, mon petit pote. Et maintenant, à l'alma palace. Nationalité française. Tu es né où? Ah ben, si tu crois qu'on peut lire avec cette crasse... À Saint-Ouen-Seine. Je suis un gars de la zone et je m'en vante. Ouais, bon bah tes papiers me paraissent en règle, mais tant que tu es au commissariat, t'en as pas besoin. Je les garde. Mais si on me les réclame... Bah tu diras qu'ils sont dans les mains de l'inspecteur Poulet. Ouais. Qu'est-ce qui te prend? Le Poulet. Poulet. Il y avait un nom marrant pour un inspecteur. Bah je regrette, c'est le nom de mon père. La police m'amusera toujours. Ouais, alors qu'est-ce qui t'amène ici? Alors, dites plutôt, qu'est-ce qui t'a amené ici? Et je vous répondrai... Un de vos agents, celui qui fait le poireau là-bas dans le couloir. Rousseau, tu veux venir? Oui, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais de service avenue Georges V quand un groom de l'Alma Palace est venu me chercher. Cet individu faisait du scandale dans l'entrée de service de l'hôtel. Bah, d'abord, pourquoi ils m'ont pas laissé rentrer par la grande porte? Je venais voir un client. Un client? Oui. Quel client? Monsieur Liang. Quoi? Monsieur Liang, un Chinois. Et qu'est-ce que tu lui voulais à ce Chinois? Ben, j'avais trouvé une valise à son nom sur les quais près du pont d'Austerlitz. Alors j'y rapportais. À l'Alma Palace. Ouais, à l'Alma Palace. Et c'est là que ça tournait au vinaigre. Je vais pour rentrer par la grande porte quand je suis arrêté grossièrement par le chef des chasseurs, un gros doré sur tranche avec des galons qu'on aurait dit un général. Alors il me fait « ta tenue est pas correcte, adresse-toi à la porte de service là à côté ». Je me froisse pas, remarquez.
Et alors je tombe à l'entrée de service sur le chef des bagagistes. Ils sont tous chefs dans ce carré-là. Mmh. Alors donc je tombe sur le chef des bagagistes à qui je raconte ma petite affaire. Et puis alors il me fait « Oh, bah il va drôlement être content, ce Liang, parce que il était dans une de ses colères en arrivant ici. Il paraît que cette valise, on y a volé en arrivant à la gare de Lyon. » Volé à la gare de Lyon? Eh ben pourquoi tu le disais pas tout de suite? Ben, je sais pas, moi. Que j'en ai à foutre, moi, de votre gare de Lyon. Peut-être plus que tu ne veux en laisser paraître. Ah, c'est un lot, c'est un monde. Alors, dis tout de suite que c'est moi qui l'a volé. Oui, ben, continue ta petite histoire. J'en étais, moi. Ah oui. Alors, le chef des bagagistes, là, il me prend la valise des mains, il vérifie le nom et l'adresse qui était marquée sur le porte-étiquette, et puis il crie Robert. Qui est-ce, Robert? Ben, c'est un de ces petits grouillots, là, qui monte les bagages pendant que lui, le chef, il reste là derrière sur sa chaise. Alors, Robert qui dit monte ça tout de suite à M. Liang et prévient la réception. Et puis là, voilà mon Robert qui file avec la valoche. Alors, moi, je l'ai trouvé saumante et je me suis mis à gueuler. Mais moi, je veux le voir, mon Sintoc, et ma récompense, alors. Vous savez ce qu'il me répond, le chef des bagagistes, là? Il me dit comme ça, reviens demain, on arrangera ça. Reviens demain, il dit, vous parlez, si je la connais, moi, la chansonnette, demain, elle me foutra à la porte, oui, comme un vieux bout de mégot. Mmh. Alors, dis, j'ai insisté, moi. C'est tout de suite que je veux monter le voir, moi, le Sintoc. Monter, qui me dit, pour fiche des poux dans l'ascenseur. Alors là, monsieur l'inspecteur, moi, j'ai vu rouge. Non, ben, des poux. Des poux, moi, qui m'ai remis dans Marie-Rose. Oh, qu'est-ce que je te l'ai engueulé, alors? Alors, j'ai fait comme ça. Dites donc, je te souhaite, moi, d'avoir les mains aussi propres que les miennes, des larbins. Videur de peaux de chambre. Ah, ça, je reconnais que j'ai ameuté tout l'hôtel. Alors, le directeur est arrivé, et pour finir, il m'a donné 100 balles. Non, mais vous vous rendez compte? 100 balles pendant que le Robert, lui, il était en train de toucher là-haut peut-être des 2000 balles. Alors, j'ai fait tellement le refus que c'est l'agent que vous voyez là, et il est venu me cueillir. Ouais. Ben, en somme, l'honnêteté ne paie plus, hein? Ça, je vous le fais pas dire. Oh, dites donc, et pardon, moi j'en ai ma claque. Vous permettez que je m'assoie une seconde? Oui, oui. Oh là là. Ah, vous m'avez l'air compréhensif, vous, monsieur Poulet. C'est vrai, c'est pas parce qu'on a un grimpant tout éliminé qu'on n'est pas propre moralement, pas vrai? Dis donc. Ouais. Tu m'as l'air d'avoir de drôles de chaussettes, toi. Ouais, non, pourquoi? Ben, fais voir un peu. Ben, c'est des chaussettes comme tout le monde. Fais voir, je te dis. Oh, ça y est, là, les emmerdements qui recommencent. Allez, enlève tes chaussures et donne-moi ça. Oh, écoutez, j'étais si bien, moi, là-dedans. Allez, vous... vite. Qu'est-ce que c'est? Ben, des feuilles de papier. Ben, vous avez jamais vu des feuilles de papier blanc? Ben, comme celle-là, non. Elles sont curieuses. N'est-ce pas? C'est amusant, ces petites taches d'or. Oui, ces inscriptions chinoises. C'est dans la valise de ce monsieur Liang que tu as volé ça, n'est-ce pas? Oh, du papier, c'est bon, un vol, quoi. Disons tout au plus que c'est... C'est une petite niche que j'y ai faite, quoi. Ouais. Ben, il sera peut-être pas de cet avis. Oh, si vous aviez comme c'est doux aux pieds. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, toutes ces inscriptions? Comment voulez-vous que je le sache? Tiens. Moreau. Quoi? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oh! Nom de Dieu! Tiens, je te les rends, tes chaussettes russes. Allez, remets-moi ça autour de tes pieds et reficelle tes chaussures. Ah, ça vous êtes chic, vous, alors. Ah, je vous remercie. Ah, mes petits pieds. Mes petits pieds, monsieur l'inspecteur, ils vous disent merci. Oui, bah, allez, fais vite. Ça y est? Oui, ça y est. Bon. Allez, maintenant, viens avec moi. Vous m'emmenez où? Subir ta punition. Quoi, vous m'embarquez? Non, mais ces papiers ne sont pas à toi, tu en conviens. Bah, oui. Tu les as bien volés à monsieur Liang. Bah, oui. Alors? Le moins que tu puisses faire, c'est d'aller les lui rendre. Ouais. Tu vas lui montrer toi-même l'usage que tu as osé faire de ces ravissants papiers de Chine. Oh, mais il va m'engueuler. Ben, j'espère bien. Et puis s'il a un peu d'humour, comme Moreau et moi, finira par en rire. Et qui sait, il te les donnera peut-être, tes 2000 balles. Vous croyez? Il y a des chances, idiot. Mais à l'hôtel, ils vont encore me virer. Je te dis que je t'accompagne. Je parlerai au directeur, il te laissera monter. Oh. Alors là, vous êtes un pote. Oui, et puis après, tu iras te faire prendre ailleurs. Ah, merci, monsieur Poulet. Je dis, mais vous croyez qu'ils me laisseront monter? Mais puisque je te le dis. Allez, viens. Oh, allez, on
Ton ascenseur, mon petit gars. Hein? Ah, ben tu vois, j'aurais jamais cru que ton directeur il m'aurait laissé monter. Hein? Ça t'est pas tout aussi. Hein? Remarque, du moment qu'au téléphone, M. Liang a dit qu'il fallait que je monte, il n'y a pas plus de directeur que de beurre en broche. Hein? Le client est en ouais, pas vrai? Hein? Quatrième étage, le 413, tout de suite à droite. Bon, merci. T'es bien nourri, toi, hein? Qu'est-ce qu'on peut appeler un gros groom? Allez, on va voir. Ah, c'est vous, M. Liang, hein? Ça y est, du premier coup d'œil. Daignez entrer, honorable visiteur, et soyez le bienvenu. Ah, ben dis-donc, vous êtes gentiment logé, si c'est coquet. Quand l'honorable directeur m'a dit au téléphone que vous me rapportiez mes papiers, j'ai rendu grâce à Wen Fuzi. Fuzi? Fuzi quoi? C'est l'une des sept divinités qui veille sur mon destin. Oh ben, dis-donc, c'est plutôt moi qu'il faudrait remercier, parce que, vous savez, c'est moi qui vous ai rapporté votre valise. C'est pas Robert. La valise? Aucune importance. Comment, aucune importance, une valise de ce prix-là? Ce n'était qu'un misérable écrin. L'écrin de 8 perles égales, chacune au trésor de Golconde. Alors, j'ai pas vu de perles, moi. Je parle de ces 8 feuilles de papier de Chine, parfumées et pailletées d'or que vous me rapportez. Ah. C'est sur chacune d'elles que s'épanouissent les plus belles fleurs de ma sensibilité. Car je suis poète, monsieur. Monsieur, comment? Plante-Rose. Eh bien, honorable monsieur Plante-Rose, nous sommes poètes de père en fils depuis 94 générations. Cela remonte au temps de la dynastie des Han. Oh, mince alors. Je suis venu jusqu'à Paris pour prendre part au concours international de poésie qui aura lieu demain à la Sorbonne. Je viens de passer un mois à Nice pour polir et repolir 8 de mes meilleurs poèmes à la gloire de l'amour universel et de la charité. Vous êtes un brave cœur, vous. Pas toujours récompensé, hélas. Puisqu'en arrivant à la gare de Lyon, un répugnant batracien m'a volé ma valise. Imaginez ma douleur. Ainsi venaient de s'envoler les fruits de tant de veilles. S'est abîmé dans une prostration pareille à celle qui frappa Tao Tai à la mort de ses 12 fils, qu'alors on m'a annoncé votre visite. C'est donc vous enfin qui avez ces poèmes, honorable monsieur Plante-Rose. Où avez-vous mis ces messages de mon suprême idéal? Dans mes croque-nous. Vous dites? Dans mes pompes, quoi, si vous aimez mieux. Je blessais, vous comprenez? Et alors vos papiers étaient si douillés, si moelleux, alors j'ai cru que je pouvais... Faut pas m'en vouloir. Que faites-vous? J'aime des choses, faut bien que je vous les rende. Mes poèmes, autour de vos pieds. Ah oui, moi je pouvais pas deviner, moi. Tout le monde sait pas lire le chinois. Les 8 feuilles sont-elles toutes là, au moins? Pleurez pas, j'en ai 4 à chaque pied. Tenez, vous pouvez vérifier. Merci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Aucune ne manque, Confucius soit béni. Mais... Quoi, qu'est-ce qui va pas? Rien. Ben pourquoi vous faites ce tête-là? Oui, bien sûr, ils sont un peu chiffonnés, vos peuples-là. Ben, vous aurez qu'à leur y donner un petit coup de fer à repasser, quoi. Vous avez lu ces poèmes? Oh, vous savez, pour moi, c'est du chinois, moi, je viens de vous le dire. Vous permettez? Un coup de téléphone à donner. Ben, vous gênez pas pour moi, allez. Allô? Allô? Voudriez-vous avoir l'extrême obligeance de me demander le café Marignan? Vous prévenez un de ses clients, Monsieur Dubois, de bien vouloir venir à l'appareil. Alors, vous êtes content que je vous les aie rapportés, vos petites histoires, là? Quelle mémoire du cœur ne vous aurais-je pas, honorable Monsieur Plante-Rose? Ceci mérite récompense. Tenez,
daignez accepter ce modeste gage de gratitude. Quoi? 10 000 balles? Eh ben alors vous me traitez comme un ministre, alors. Un proverbe chinois dit, offre un grain de blé, Confucius te rendra une gerbe. Eh ben, vous et votre Confucius, vous êtes des braves gens. Oh, 10 000 balles. Allô? Allô? Honorable Dubois? C'est Lyon. Vous permettez, je vais vous prendre sur un autre appareil. Honorable Monsieur Plante-Rose, ouais, vous allez m'excuser si je passe dans la chambre pour cette conversation téléphonique. Bah, t'es tout naturel. Ouais. Merci. Attendez-moi une minute. Une minute seulement. Mais allez donc, là. Voilà. Eh ben, moi, il me plaît le péril jaune. Tiens, hein, 10 000 balles par jour, moi, je suis client. Oh là là. Et dire que je déclarais que l'honnêteté, ça paye plus. En France, peut-être. Aïe, 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 il faut maintenant que ça soit à l'étranger qui vienne nous donner des leçons. Ah, c'est humiliant. Je n'ai pas été trop long. Non, du tout, du tout. D'ailleurs, vous savez, moi, je vais m'en aller. Vous n'êtes pas si pressé. Bon. Tenez, je terminais mon souper. Vous accepterez bien un peu de poulet froid et du champagne? Ah, ben, vous parlez. Tenez, buvez. Oh, et là-haut, doucement, doucement. Oh, non, pas tant, je ne voudrais pas me saouler, hein. Le champagne, remarquez, ça n'a jamais fait de mal à un adulte. Et vous savez, moi, il faut dire, j'en bois pas. Nuit de Chine, nuit d'Orline, nuit d'amour. Oh, ben, il était beau, son champagne. J'aurais peut-être pas dû en boire autant. Le cours de la reine, il se brouille un petit peu dans mes chances. Oh, ben, après tout, c'est pas toutes les nuits qu'on fait la brinque chez les rupins. Oh, ouais. Tiens, une ambulance. Et voilà, pendant que moi je rigole, il y en a qui souffrent. Eh, c'est la vie. Tiens, pourquoi tu s'arrêtes cette ambulance? Alors, les infirmiers, là, qu'est-ce qui va pas? Tu n'aurais pas un bout de ficelle dans ta musette? Oh là là, il y a tout dans ma boîte à valises. Pourquoi faire? Eh, c'est le tuyau d'échappement qui prend une balle. Faudrait l'attacher. Allez, attendez, mes petits potes, je vais vous arranger ça. Je vous vois pas. Je vous vois pas à genoux partir avec vos belles blouses blanches, hein, moi je crains rien. Allez, attendez, voyons un peu ça. Ben, quoi, qu'est-ce que vous me chantez, ben? Ben, il tient très bien, votre tuyau d'échappement. Allez, il a son compte. Allez, vite dans l'ambulance, ouvre les portes. Bon, prends-le par les pieds, je le tiens par les épaules. Et hop! Enlevez le bœuf, c'est de la vache. Referme vite, hein. Allez, on les met en vitesse. Que je suis, moi. Oui, mais c'est la nuit noire, là-dedans. Oh, là. Oh, dans ma tête, ça fait ding-ding. On dirait qu'on m'a sonné les cloches. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé à moi? Voyons. Ah, oui, les infirmiers, je me rappelle maintenant. Je me suis baissé pour voir le tuyau d'échappement et puis plus rien. Je me rappelle plus rien. Oh là, oh, ce que j'ai mal là derrière le crâne, moi. Mais mon petit mignon, mais si je comprends bien, tu t'es fait matraquer comme un manifestant. Mais alors ces infirmiers, ça serait des gangsters? Mais qu'est-ce que me voulez à moi, ces salauds-là? J'ai pas un rotin. Ah, mais si, mes 10 000 balles. Mais j'espère bien que c'était pas pour me les faucher. Voyons, où c'est que je les avais mis. Mais je les ai plus. Mais ils me les ont volés. Oh les vaches! Bande de dégueulasses! Voyons, une allumette. Je dois bien avoir une allumette. Là, voilà. Voilà. Ma parole, mais je suis dans une cave. Mais ils m'ont enfermé dans une. Ils m'ont enfermé dans une cave? Ben alors, ça, c'est le bouquet. Ouvrez-moi! Ouvrez-moi, bande de sagouins! Et rendez-moi mes 10 000 balles, tas de voleurs! Escroc! Bandit! Monsieur! On a parlé? Qui c'est qui a parlé? C'est moi, monsieur. Ouais, toi, qui, toi? Philippe. Un môme? Mais qu'est-ce que tu fous là? Où t'es? Dans une cave qui donne dans la vôtre. Bon, attends, que je m'amène, attends. Heureusement, j'ai encore des allumettes. Mais où t'es? Ici, derrière la petite porte. Ah,
Ah, mais il n'y a pas moyen de l'ouvrir. Ils ont fermé à clé. Mais pourquoi t'es là-dedans? On m'a kidnappé. Qui? Deux infirmiers avec une ambulance. Toi aussi? Ah, parce qu'ils ont mis ça avec vous? Ah, faut croire, oui. Qu'est-ce qu'ils vous volent à vous? Oh, ça, j'en sais rien. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'ils m'ont fauché mes 10 000 balles. Et toi? Moi, je suis ici en otage. En otage? Oui, à cause de papa. Mais qui c'est ton père? Pierre Girardot. Pierre Girardot? L'inventeur? Oui. Vous le connaissez? Ben, depuis 3 jours, on ne parle que de lui et de toi dans les journaux. Alors, c'était pas vrai. Quoi? Ben, on soupçonne ton père de t'avoir caché à la campagne pour faire croire qu'on t'avait kidnappé. C'est honteux. Mon père est un honnête homme, monsieur. Un honnête homme et une victime. Mais de qui? De ceux qui ont voulu lui acheter son invention. Mais papa travaille pour le compte du gouvernement français. Il n'aurait jamais trahi. Mais qui c'est qui voulait lui acheter son invention? Des ennemis de la France, parbleu. Vous pensez bien qu'il a refusé. Alors ces salauds-là m'ont kidnappé. Ils t'ont pas fait de mal, au moins? Pas encore. Comment pas encore? Ils m'ont fait écrire un mot à papa pour lui dire que j'étais entre leurs mains. Et que s'il ne leur donnait pas satisfaction, il m'arriverait quelque chose de grave. De grave? Ils me tueront, j'en suis sûr. Comment ils te l'ont dit? Non, mais il n'y a qu'à regarder leur figure. Avec des infirmiers comme ça, on ne doit pas être longtemps malade. Oh, les vaches. Mais je me défendrai, vous savez, au lycée, hein, je fais du judo. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Alors donc, t'as écrit à ton père? Oui, ils sont malins, les cochons. Ils m'ont fait écrire avec de langue sympathique. Qu'est-ce que c'est que ça? De langue sympathique? Vous ne lisez donc jamais le roman policier? Moi, tu sais, je lis que la vie des grands hommes. Alors. Eh bien, l'encre sympathique, c'est transparent comme de l'eau. Ce que vous écrivez, ça ne se voit pas. Et ça devient lisible qu'en exposant le papier à la chaleur. Ah, c'est pas couillon, ça. Alors, pour transporter ma lettre sans risquer de se faire pincer, ils m'ont fait écrire à papa avec de langue sympathique. Puis sur un drôle de papier. Ah? Oui, un papier blanc parfumé et parsemé de petites taches d'or. Non. Si? Qu'est-ce que vous avez? Tu dis que t'as écrit sur un papier blanc? Est-ce qu'il était pas doux comme de la soie? Si. Et il sentait bon? Oui. Et il y avait dessus une petite pluie d'or? Oui. Alors, il n'y a pas de doute. Il y a sûrement le Shintok dans le coup. Shintok? Voyons, depuis que t'es ici, t'as jamais eu affaire à un Chinois? Non. Ah, quand même, on ne montrera pas de l'idée que dans ton histoire, c'est Liang qui tire les ficelles. Je donnerai ma tête à couper que ton père, il va pas tarder à recevoir sa visite. Parce que maintenant, il faut que je te mette au courant. Figure-toi que j'étais à la gare de Lyon. L'honorable monsieur Girardot. Oui, monsieur. Vous désirez? C'est exprès pour vous voir que je suis venu à Paris. À quel sujet? Vous êtes seul dans votre appartement? Oui. Avec ma femme. Pourquoi? Pas de domestique. Mais enfin, monsieur, voulez-vous... Pas de domestique? Non. Et je vous préviens que si c'est une plaisanterie... Je vous apporte des nouvelles de votre fils. Philippe? Hélène, veux-tu venir? Entrez dans mon bureau, monsieur. Je vous remercie. Voici ma femme. Monsieur... Liang. Je vous présente mes hommages, madame. Monsieur. Asseyez-vous. Non, tant que madame sera debout. Hélène, monsieur prétend nous apporter des nouvelles de Philippe. Oh, monsieur, mais quand l'avez-vous vu? Rassurez-vous, madame, il est en excellente santé. Où est-il? Dans une petite maison de l'approche banlieue. Où exactement? Permettez-moi d'abord de vous dire pourquoi je suis venue. Honorable monsieur Girardot, vous avez reçu il y a 15 jours la visite d'un de mes honorables amis d'Europe qui vous a proposé de vous acheter votre invention. En effet, et j'ai refusé. Je sais, et c'est dommage. Votre procédé brouille les ondes des projectiles téléguidés afin de leur faire manquer leur but. Cela intéresse beaucoup mes amis orientaux. Je n'ai aucun droit d'en disposer. C'est bien pour cela qu'il y a 9 jours, entre votre domicile et le ministère, nous avons été dans la pénible obligation de vous soustraire votre serviette. Elle contenait votre si intéressant dossier bleu. Non. Une partie seulement. Et vous ne pouvez rien en faire puisque vous n'avez pas les documents au complet. Aussi, je viens aujourd'hui vous demander de me vendre ce qui nous manque. Non. Je me permets d'insister. Vous perdez votre temps. Liang ne perd jamais son temps. Je vous ai dit non. C'est mon dernier mot.
Vous êtes honnête et désespérément naïf. Quand on pense que la police vous a soupçonné d'être de connivence avec nous et d'avoir simulé ce vol. L'opinion a changé quand on a su que le dossier était incomplet. Vous vous illusionnez. La police est convaincue que vous avez mis beaucoup de complaisance à vous laisser dérober cette serviette. On ne peut rien contre les idées fixes. Et aujourd'hui encore, les journaux laissent entendre que c'est vous qui cachez votre fils pour tenter de persuader les gens que vous êtes une victime. C'est risible. Alors, tant qu'à passer pour malhonnête, touchez-en le prix. Sortez, monsieur. Pas encore. Vous ne semblez pas avoir réalisé que votre fils est entre mes mains. Entre vos mains? Oui. Oh mon Dieu! Simple question. Voulez-vous le revoir vivant? Oh, mais que dites-vous là, monsieur? Que la vie de votre petit Philippe, madame, dépend de votre mari. Si je quitte cette pièce sans les documents, Philippe sera tué. Mais rassurez-vous, il ne souffrira pas. Oh, j'ai mal entendu. Oh, Pierre! Rangez ce revolver. Honorable monsieur Gérardo, vous n'avez vraiment aucun intérêt à me supprimer, car il est convenu avec mes amis que si dans une heure je n'étais pas ressorti d'ici, votre fils serait immédiatement exécuté. Pierre, téléphone à la police. Cela aussi est prévu, madame. Comment pourriez-vous prouver à la police le but précis de ma visite? Pour elle, je ne suis qu'un modeste poète, candidat du concours international de la Sorbonne. Et si je dis être venu ici, par exemple, pour vous offrir une prime à l'intention de la personne qui retrouvera votre fils, elle me croira. Qui ne s'intéresserait au sort de parents malheureux? Vous êtes ignoble. Non. Je suis du côté de l'humanité pitoyable, madame. En voulant assassiner un enfant. Qu'importe la vie d'un enfant quand il s'agit de sauver des millions de vies humaines. En aucun cas, je n'agirai ainsi pour une arme offensive. Mais quand je peux éviter à des villes entières de périr sous des projectiles meurtriers, la vie d'un seul enfant ne m'intéresse pas. D'abord, qu'est-ce qui me dit que vous n'êtes pas un menteur? Qu'est-ce qui me prouve que Philippe est bien votre prisonnier? Ce message, monsieur, voulez-vous donner la peine de le lire? C'est votre fils qui l'a écrit de sa propre main. Vous reconnaîtrez facilement son écriture, n'est-ce pas? Mon cher papa, je t'en supplie, donne satisfaction à la personne qui te montrera ces lignes. Sinon, il m'arrivera quelque chose de grave, de très grave. Je t'embrasse fort ainsi que maman chérie, Philippe Gérard. Je pense qu'également la signature ne vous laisse aucun doute. Aucun. Ces mots ont été écrits hier matin à l'encre sympathique sur une de ces feuilles de papier que j'affectionne particulièrement pour y calligraphier mes poèmes. Une personne discrète est venue me remettre ce précieux document en gare de La Roche, hier après-midi, dans le train qui m'a mené de Nice à Paris. Vous savez tout maintenant. À vous de jouer. Pierre, que décides-tu? Tu sens bien que je ne peux pas donner satisfaction à cet homme. Mais vous, monsieur, mais vous, vous devez comprendre. Vous avez peut-être des enfants, vous aussi, mais enfin, faut-il vous supplier, vous donner de l'argent? Je ne sais pas, moi. J'ai là quelques bijoux, mais enfin, que faut-il faire pour que vous renonciez? Tais-toi! Tu ne veux pas t'abaisser devant ce monstre. Donnez-moi ce dossier et tout rentrera dans l'ordre. Oh, Pierre, donne-lui et qu'on en finisse. Tu es folle? Alors tu ne voudrais pas mieux que cet homme. Seul Philippe devrait compter pour toi. Et tandis que d'autres te salissent, tu songes encore à je ne sais quel honneur qui n'a plus cours aujourd'hui. Hélène! À croire que tu serais fière qu'un jour on dise de toi il a tué son fils par devoir. Par devoir! Je t'interdis! Oh, c'est à mourir de rire ou de honte. Voici ma dernière proposition. Vous ouvrez votre coffre? Vous me remettez les documents et nous simulons un cambriolage. Je sais bâillonner un homme et une femme comme il faut et quand il le faut. Je ne vous offre plus d'argent. Je vous demande pardon de l'avoir fait. Votre seule récompense, pleine de noblesse, celle-là, sera d'avoir sauvé la vie de votre enfant. Allez-vous-en. Allez-vous-en! C'est vous qui l'aurez voulu! Non, non, ne partez pas! Adieu! Haut les mains! Mais! Haut les mains! À la bonne heure! Berton, les menottes, vite! Je suis l'inspecteur Poulet, monsieur Gérardo. Excusez-moi d'avoir pénétré chez vous avec un trousseau de clés un peu spécial, mais depuis ce matin, je suivais monsieur Liang et je mourais de l'envie de savoir ce qu'il avait à vous dire. Écouter aux portes est parfois d'utilité publique.
J'étais certain que cet aimable poète irait vous voir. J'aurais pu vous en prévenir, mais à cause des soupçons que nous avions sur vous, j'ai préféré n'en rien faire. Je ne le regrette pas parce que j'ai pu ainsi constater que vous êtes un honnête homme, très au-delà même. Maintenant, monsieur Liang, vous allez nous dire où se trouve Philippe Girardeau. Un proverbe chinois dit « La mémoire est pareille au papillon. Cours après, elle t'échappe. Ignore-la, elle se pose sur ton épaule. » Eh bien, si vous manquez de mémoire, nous saurons vous en donner. Parleriez-vous de certains supplices chinois? Il ne s'agit pas de ça, mais vous ne tarderez pas à vous mettre à table, je vous en réponds. Rien ne me fera parler. J'ai épousé cette philosophie grecque que vous appelez stoïcisme. Allez, assez de boniment. Où est Philippe Girardeau? Dans une heure, il sera mort. À ce moment-là, je vous dirai où retrouver son cadavre. Tu bluffes. Tes complices n'oseront pas tuer un enfant. Sans ton ordre? Jamais. Je connais la loi du milieu. Il faut donc que je prenne mes responsabilités. Soit. Cet ordre, je vais le leur donner. Et comment, diable? Comme ceci. Exécution! Salut! Regardez dans la rue ce motocycliste qui se sauve à toute allure. Il court transmettre mon ordre au tueur. Je vais te casser la gueule. Du calme, Girardeau. J'ai tout prévu, moi aussi. Ce que vous n'avez pas remarqué, c'est qu'une voiture de police vient de prendre la moto en filature. En filature? Oui, je suis pas un enfant, tout de même. Essaie de passer avant le feu rouge ou il nous file dans les pattes. Ça y est, bravo. Tu parles comme c'est facile de suivre une moto, toi. Ça te glisse partout comme une anguille. Attention, il tourne à gauche. Oui, oui, j'ai vu. Tu crois pas qu'il nous a repérés? Sans rétroviseur, ça m'étonnerait. Tiens, il ralentit. Mais qu'est-ce qu'il fout? Allez, freine. Bah, pareil. Freine donc. Mais il s'arrête. Ça, c'est embêtant, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on continue lentement sans avoir l'air de rien. Il faut surtout pas qu'il se méfie. Dis donc, en passant près de lui, tâche de repérer la figure qu'il a. D'accord. Moi, je t'en fous, il a des lunettes de moto et il a fait une grimace. Dis-donc, tu n'as pas l'impression qu'il se paie notre tête, lui? Oh nom de Dieu, il fait demi-tour, il fout le camp dans l'autre sens, allez, tourne! Oui! Tourne, je te dis, braque à fond! Pousse-toi! Attention à la marchande des quatre saisons! Oh, je te l'ai dit! Attends, on va le rattraper le long du quai de Passy. Mais il a de l'avance, attention. Il prend l'avenue de Versailles, allez, vas-y, à bloc! Oui. Mais fais gaffe! Emmerde, tourne à droite! Ça doit être dans la rue Rémusat. Allez, sois prudent quand même, hein. Ralentis oui, pour oui, tourner, oui, quoi. Oui. Mais ralentis! Rue Rémusat. Allez, vas-y, tourne. Attention à l'ambulance. Merde, je l'avais pas vu. Ah bah, elle est loin maintenant, la moto. Non, non, non. Tiens, regarde. Quoi, où? Il est arrêté au bord du trottoir, devant le 25 de la rue Rémusat. Oui, mais y a plus personne dessus. Allez, avance jusqu'à la concierge qui est en train de balayer le trottoir. Oui, oui. Pardon, madame. Police. Le type qui a laissé la moto, là, ici, il est monté dans votre immeuble? Non. Il y avait une ambulance arrêtée le long du trottoir d'en face. Elle attendait Dieu sait quoi. Un infirmier était au volant et un autre assis à côté de lui. Alors, le gars à la moto est arrivé. Il a plaqué son engin devant ma porte. Ouais. Et il a sauté à l'intérieur de l'ambulance en criant, j'ai pas très bien compris, quelque chose comme exécution. Oh. Et puis, ils ont filé dardard. Oh, merde, c'était un relais. Ah, ils nous ont bien eu. Va donc les chercher maintenant. Allez, en route. En tout cas, ils doivent bien se marrer dans l'ambulance. Ah, je me marre encore. Si on les a possédés, les flics. Eh ben, en tout cas, moi, je commence à en avoir ma claque, la conduire cette ambulance. On va finir par se faire repérer. Eh, Léon, tu nous casses les pieds. Écoute, je te dépose à la villa avec Freddy. Et je fous le camp, l'abandonner n'importe où, moi, cette bagnole. Eh, t'as raison. Dans ce petite banlieue, une ambulance, ça risque d'attirer l'attention. Les gens, ça les amuse toujours de voir des malades. Allez, on est arrivé. Tout le monde descend. Je vous laisse à votre sale boulot. Très content de pouvoir être à votre place. Ouais, t'en fais pas, il n'y aura pas le temps de souffrir, le môme. Allez, bye bye. T'as la clé? Pas besoin, René, là, il va ouvrir. Exécution. Merde. Ouais. Comment qu'il est, le môme? Très calme. Le clochard? Ah, je l'ai dérouillé pour qu'il ferme sa gueule. Maintenant, il roupille. Complètement flagada, le gars. Allez, on descend. Hé, hey, hey, hey. Comment qu'on va s'y prendre? Bah, je dirais que son père est venu chercher, qu'il est en bas dans
Par le rez-de-chaussée, alors on le fera passer devant nous. Pendant qu'il montera l'escalier, ben, 2 balles dans la nuque, hein. Et puis, il ne sentira rien. T'es sûr? Oh. Je pense que oui. Alors, on y va? Allez. T'as ta lampe électrique? Oui. J'ai la mienne aussi. Ah. Et là? Eh ben quoi, René? Tu l'ouvres, cette porte? Oh, une seconde. Pourquoi tu trembles comme ça? Je tremble pas. Allez, rentrez. Attendez que je jette un coup d'œil au clochard. Parce qu'on lui fait son affaire, à lui aussi? J'ai hâte que pour le bon, mais après, lui, on verra. Oh. Il en est crasse comme un bienheureux. Tant mieux, il nous foutra la paix. Allez, René, ouvre la cave du monde. Ne tremble pas comme ça, voyons. Mais je tremble pas. Entrez. Prends ta lampe. Ah, il dort, lui aussi. Cette heure-ci, il est pas malade. Allez, petit, faut te réveiller. Alors, réveille-toi, que je te dis. Ah, il dort bien. Mais réveille-toi, non. Mais il respire plus. Regardez. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il est mort? Bah alors, il serait mort il n'y a pas longtemps. Il n'est pas encore froid. Attends, je vais y écouter le cœur. Qu'est-ce que ça dit? Ouais. Il bat encore un peu? Oh bah alors, il est évanoui seulement. Oh, ou dans le coma? Ouais, voulez-vous me dire l'importance que ça a, étant donné ce qu'on va lui faire? Ouais, d'accord, mais tout de même, hein. Tout de même quoi? Alors, on m'a demandé de liquider un môme vivant, mais pas un môme à moitié mort. Tu vois une différence? Mais j'y vois que je m'attendais pas à ça. Mon plan d'action, mais il est foutu par terre. Tu me fais mal. Oh, moi, je comprends, Jules. Il n'y aurait qu'un petit geste à faire et ce serait fini tout de suite. Ouais, mais avant, j'aurais aimé qu'il me parle, moi, ce gosse. Qu'il m'ait montré qu'il était normal, ouais, quoi. Et qu'il te dicte ses dernières volontés. Mais on peut le tuer comme ça. Ce serait lâche. Alors, ranimons-le et en vitesse. Est-ce qu'il y a du vinaigre ici? Oh, je sais pas. Bah, viens, Freddy, on va monter pour voir. Moi, mon môme, un jour, il s'était trouvé mal. Ma femme y a frotté le nez et la bouche avec du sel mouillé et d'autres colognes. Ça avait très bien réussi. Allez, on va voir. Tu viens, Freddy? Oui. Allez, toi, René, surveille le petit. S'il allait mieux, hein, tu appellerais tout de suite. Ouais, qu'on en finisse, quoi. C'est curieux qu'il respire plus. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir, ce sacré lardon? Hé, petit! Ah, dites donc, monsieur Plante Rose, vous l'avez drôlement assommé. Oui, un peu, mon neveu. Attends, maintenant que j'y fauche son revolver. Voilà, je l'ai. Allez. Bravo, il n'y a plus qu'à attendre les deux autres. Oui, allez, passons dans la première cave et planquons-nous derrière la porte. Là, comme ça, allez, éteins la lampe électrique. Quand ils seront descendus, ils vont tourner le dos pour entrer dans la deuxième cave. Et c'est à ce moment-là que je tire dans le tas. Je l'aurais bien joué la comédie, hein. Ouais, moi, donc, dis, t'as entendu si je ronflais? Oh, formidable, on est des ours. Chut! Je vais tirer ça. Allez! Pas quoi, René, t'as éteint? Ils ont leur compte. Faisons vite! Allez, attends que je ferme la porte à clé, on sait jamais. À bientôt, les mignonnets! On va s'occuper de vous, hein! Je téléphone tout de suite pour qu'on vous envoie l'ambulance. Vous êtes sûr qu'il n'y a personne d'autre là-haut? Oh non, non. Depuis ce matin, j'écoute tous les bruits de la maison. Je suis sûr qu'il y avait crevé. Allez, viens. Fais attention, même doucement. On va pas te casser la figure maintenant, je sais. Je serai dans le cul. Tiens, le bonbon. Hein. Le téléphone est là. Attendez, je vais appeler maman. Ah oui, t'as raison, la pauvre femme. Elle doit se faire une drôle de mauvais sang. Allô? Allô? C'est toi, maman? C'est Philippe. Philippe, c'est toi? Oui, n'aie plus peur, je suis sauvée. Oh, mon chéri, mais où es-tu? Je ne sais pas.
Comment tu ne sais pas? Écoute, maman, je ne peux pas quitter la maison où je suis. J'ai fait prisonnier 3 gangsters. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je t'expliquerai plus tard. Note le numéro qui est inscrit sur mon appareil. Oui. Tu as un crayon? Oui, oui, oui. C'est Michelet 0192. Que papa alerte la police. Elle trouvera tout de suite l'adresse et arrivait tous en vitesse. Oh, entendu, entendu, mon chéri. Eh, dis donc, mon, je viens de dégoter 1 litre de rouge. On se l'envoie? Si on se l'envoie, tu parles. Allez, vas-y, ouais. Je suis là, on l'aura pas volé, hein. Oh, dis donc. Et voilà, monsieur Poulet, comment qu'on les a eus, les vaches? Si monsieur Plantrose avait pas été là, j'étais assassiné. Ouais, parlons pas de ça. Si, il faut que papa et maman sachent que c'est vous qui avez eu l'idée de tout et que vous êtes un type formidable. Vous seriez digne d'entrer dans la police. Dans la police, moi, elle, oh, je t'ai pris de me respecter un petit, oh. Alors là, monsieur Liang, c'est un échec sur toute la ligne. Je m'avoue vaincu. Mais comment, honorable inspecteur, avez-vous su que j'étais à la base de cette affaire? Pour le plus simplement du monde. Pour avoir fait du scandale dans votre hôtel. Plantrose est conduit au commissariat. Et je m'aperçois qu'il s'est fait des chaussettes russes avec vos poèmes. J'examine ces pittoresques feuilles de papier. Et au verso de l'une d'elles, je découvre la lettre qu'à l'encre sympathique, Philippe a écrite à ses parents. Cette lettre qu'un de vos complices est allé discrètement vous remettre en gare de La Roche dans le train qui vous amenait de Nice à Paris. Je pouvais vous arrêter tout de suite. J'ai préféré la filature et vous prendre la main dans le sac. Pourtant, il y a un détail que je ne m'explique pas. Oui, je vous vois venir. Quand l'honorable monsieur Plantrose m'a remis les 8 feuilles, j'ai vu tout de suite la lettre de l'enfant. Mais ce qui m'a étonné et m'étonne encore, c'est que l'encre n'était plus blanche, mais noire. Par quel génie divinatoire, inspecteur, avez-vous eu l'idée d'exposer le papier à la chaleur pour rendre cette encre lisible? Je n'ai pas de génie, monsieur Liang. Le seul miracle, c'est que Plantrose ait eu l'idée de se faire des chaussettes avec vos poèmes. Si grâce à lui j'ai pu lire la lettre de Philippe, c'est parce que l'encre sympathique avait été développée par la chaleur de ses pieds. La chaleur de mes pieds avait développé son blague. Oui. Oh, ça là, eh ben, je peux vous dire une chose, moi. C'est la première fois que mes panards, ils me donnent entière satisfaction. L'honorable monsieur Plantrose de Jean Marcillac avait pour interprètes Georges Moncorbier, Jean-Jacques Delbeau, Yves Duchâteau, Pierre Marteville, Aubrady, Michel Dumur, Nelly Benedetti, Jean-Claude Michel, Jean-Marie Amato, Maurice Biraud, André Vasselet, Yves Gladine, Becky Rosanès et Harry Max dans le rôle de monsieur Plantrose. Avec son talent habituel, Jean Marcillac a tiré un amusant parti de ce fait divers peu banal, et puisque l'aventure de l'honorable monsieur Plantrose tient à quelque peu du miracle, nous avons intentionnellement choisi 2 faits divers qui sont aussi miraculeux. Voici le premier, qui nous est envoyé par monsieur André Radet à Paris, qu'il a trouvé dans les Nouvelles littéraires du 17 décembre. Récemment, un étudiant américain travaillait à la Bibliothèque Vaticane sur l'œuvre d'un obscur philosophe mort au XVIIIe siècle. Vers le milieu du volume, il tomba soudain sur une feuille manuscrite insérée entre 2 pages et qui disait « Celui qui trouvera ceci est prié de se rendre à l'Office des successions pour y demander le dossier 162 RI, fait à Rome le 5 février 1784. » Le papier portait la signature du philosophe. L'étudiant suivit les indications et toucha un héritage équivalent à près de 300 millions de francs, car l'auteur avait spécifié que celui qui, le premier, aurait la constance de le lire, serait son légataire. L'étudiant abandonna aussitôt ses études pour s'installer sur la Côte d'Azur. Depuis cette aventure, les lecteurs se ruent à la Bibliothèque Vaticane sur les ouvrages des philosophes oubliés. Et voici le second fait divers, qui s'intitule d'ailleurs « Le veston miraculeux ». Il nous est envoyé par Mademoiselle Renaud Good à Saint-Étienne, et il est extrait de « L'espoir de Saint-Étienne » du 14 décembre. Il se passe à Tokyo. Voici 2 ans, un Japonais du village d'Ijimino, à 200 km de Tokyo, avait acheté pour son fils un veston américain d'occasion. L'autre jour, déchirant le veston usé pour en faire des chiffons, il eut la surprise de trouver dans les doublures 540 dollars. Le papa prudent a mis 500 dollars de côté, et avec les 40 autres, il va, dit-il, acheter une gentille femme pour son fils.
Parmi les meilleurs faits divers reçus, nous citerons les envois de Mme René Guédon à Charenton, M. Collère à Martigues, M. Paul Messager à Bagnolet, Mme Juliette à Versailles, Mlle Ginette Pételet à Lyon, M. Errant à Paris, M. Alexandre Brett à Lyon. À vous, Pierre Véry, pour indiquer à nos auditeurs le fait divers que nous avons retenu pour une de nos prochaines émissions. Eh bien, ce fait divers a paru dans de nombreux journaux au début de septembre 1953. Il relatait la surprenante découverte qui fut faite dans un caveau de famille. Selon les archives de l'état civil, ce caveau de famille ne devait contenir que 12 cercueils, on en trouva 13. Ce fait divers nous a été envoyé à l'époque par de très nombreux auditeurs. Nous avons donc procédé selon l'usage à un tirage au sort qui a attribué la brochure dédicacée à M. Marchand, à Libourne, et un roman policier à Mme Marie-Josée Vidal, à Mâcon. C'est Jean Marcillac, dont vous venez d'entendre l'honorable M. Plante-Rose, qui va imaginer et écrire pour vous une histoire à partir de ce fait divers. À ce propos, nous tenons à rappeler ici une précision que nous vous avons donnée déjà à diverses reprises, à savoir qu'il est bien entendu que les faits divers retenus ne sont considérés par nous et par nos auteurs que comme offrant, par tel ou tel détail, un tremplin pour l'imagination en vue d'une histoire. En conséquence, il ne peut exister entre cette histoire, lorsqu'elle est achevée, et le fait divers point de départ, aucune corrélation ni aucune allusion à quelque personne que ce soit réellement existante. Petit courrier des amateurs de mystère et d'aventure. Les livres lus par Germaine Beaumont. Comme nous avons raison d'aimer Agatha Christie. Elle demeure, malgré l'évolution très nette du roman policier, un des grands maîtres de cet art difficile. Si l'on en veut une nouvelle preuve, il n'est que de lire dans la collection Le Masque, son dernier roman, Qui a tué Miss McGinty ? Le thème de ce roman est précisément un sujet qui nous intéresse. Dans un petit village anglais, une femme de ménage, Mrs. McGinty, a été assassinée. Les soupçons du commissaire Spence se portent sur le locataire de Mrs. McGinty, garçon taciturne et refoulé qui d'ailleurs, tout en niant être coupable, se défend peu et mal. Cet assassin présumé est arrêté, jugé, il va être exécuté. Or, le commissaire Spence a des doutes. Et il vient les exposer à Hercule Poirot qui s'ennuie dans l'oisiveté d'une confortable retraite. Si seulement Hercule Poirot venait au secours de Spence, en reprenant l'enquête à zéro, même si c'est pour aboutir au même résultat. Et malgré ses genoux qui craquent et ses moustaches teintes, Hercule vient s'installer au village, dans une pension de famille, qui fait penser à Dickens. Là, il reprend tout par le commencement. Un fait, en soi sans importance, sera son point de départ. La veille de sa mort, Mrs. McGinty, qui n'écrivait jamais à personne, a acheté une bouteille d'encre. D'autre part, elle a découpé dans un hebdomadaire du dimanche un article concernant quatre anciennes affaires criminelles où des femmes ont joué un rôle important. Que sont devenues ces femmes ? Se demande l'auteur de l'article. Ce qui nous rapproche de l'intérêt que porte notre émission aux faits divers, présents ou passés. Est-il besoin de dire qu'Hercule Poirot se promène à travers les complications de son enquête avec l'aisance d'un poisson rouge dans un bocal ? Et nous ne sommes pas autrement surpris si, après nous avoir laissé entrevoir toutes sortes de solutions possibles, nous apprenons que la personne qui a tué Mrs. McGinty est précisément la seule à laquelle nous n'avions pas pensé. Les spectacles vus par Roger Régent. Décidément, nos auditeurs vont peut-être penser que je fais
de l'anglomanie. Mais est-ce ma faute si le cinéma anglais nous donne des films si intéressants et à une cadence si rapide? La semaine dernière, c'était « L'assassin a de l'humour », une comédie policière sans prétention, réalisée sans génie, bien sûr, mais où l'on retrouve ce goût du détail et ce souci de la qualité qui sont typiquement britanniques, comme je vous le disais. Et voici que c'est une autre comédie sortant des studios de Londres qui, cette semaine, tient le haut du pavé cinématographique. Si vous n'avez pas encore vu « Capitaine Paradis », je ne saurais trop vous conseiller de ne pas perdre de temps. Malheureusement, cela ne peut concerner que les auditeurs parisiens, car ce film ne passe pas encore ailleurs que sur les Champs-Élysées. Espérons que nos amis lointains n'attendront pas trop longtemps le plaisir de voir Alec Guinness dans le rôle de cet homme qui est fusillé parce qu'il a trouvé la recette du bonheur. Il y a déjà dans cette idée bien de l'humour. Évidemment, avoir trouvé le secret du bonheur, c'est là une de ces choses que les hommes de 1953 ne vous pardonnent pas facilement. Ils veulent tellement assurer le bonheur collectif à coup de théories, de formules et d'équations sociales, philosophiques ou politiques qu'un homme tel que ce capitaine St. James, si peu conformiste, n'a pas sa place dans notre société. Que fait-il donc, ce capitaine Paradis? Simplement ceci. Il a constaté qu'un homme ne trouve jamais le bonheur complet avec une seule femme. Alors, comme il est marin et commande un bateau qui fait le trafic entre Gibraltar et un port d'Afrique, il est marié à Gibraltar avec une parfaite femme d'intérieur, très pantoufle et pot de confiture, tandis que dans son autre port d'attache, il a pour maîtresse une danseuse de boîte de nuit qui a des goûts et un caractère exactement opposés à ceux de la dame de Gibraltar. Je ne vous raconterai pas comment les pistes finissent par se brouiller et comment la machine se dérègle. Je vous dirai seulement que Madame Popote désire s'émanciper tandis que la dynamique demoiselle de Dancing ne rêve que de s'assagir. C'est en somme, à l'intérieur d'une autre histoire, le thème de la charmante pièce italienne « L'heure éblouissante ». Le film est délicieux. Il fourmille de détails savoureux. Pour qui aime l'esprit foncièrement anglais, c'est un spectacle qui n'est pas loin des meilleures réussites du genre. L'histoire que vous pourrez entendre mardi prochain a été imaginée d'après ce fait divers que je me borne à résumer. Les visiteurs de la Toussaint. Trois hommes sont mystérieusement venus le jour des morts s'incliner dans un cimetière de Toulon sur la tombe d'une jeune et belle inconnue dont le cadavre fut découvert par des pêcheurs en 1949 en Méditerranée. Se voyant remarqués, ces trois hommes se sont esquivés, non moins mystérieusement, en dissimulant leurs traits. Cette histoire est de Pierre Laroche et elle s'intitule « Miss Neptunia ». La radiodiffusion française vous a présenté « Faits divers », une émission de Pierre Véry et Maurice Renaud, réalisée par Pierre Billard, au cours de laquelle vous avez pu entendre l'honorable Monsieur Plante-Rose, nouvelle radiophonique de Jean Marcillac, et le petit courrier des amateurs de mystère et d'aventure, avec Germaine Beaumont et Roger Régent. Rappelons à nos auditeurs que tout le courrier concernant cette émission doit être adressé à Émission Faits divers, Radiodiffusion française, 107 rue de Grenelle, Paris 7e.